Salut les gars, glitch, duplication, solo, de lowrider, tout ce que vous voulez, tout ce qui rentre dans un garage. Donc en premier temps, ça va être facile, hein. C'est un glitch que les Anglais avaient sorti, donc ça sera avec le mode invisibilité. Donc il vous faudra une RH8, un camion, un bunker qui va avec, et on est bon. Donc il vous faudra être aussi en visée libre, donc vous irez dans le mode éditeur, visée libre. Et le glitch, c'est joué. Vraiment très facile. Autant que celui de José, au final. Donc là, j'ai appelé ma RH8, comme ça je suis dedans, et je vais vous montrer pour changer le mode de visée. Les gars, abonnez-vous, partagez, profitez-en, devenez millionnaire. Il y en a des glitches, il y en a tous les jours. Donc vous avez la vidéo pour vous mettre invisible aussi. Donc c'est à peu près la même manipulation que celui-là, sauf que là on va faire le glitch. Donc là je suis dans le mode éditeur, d'accord? Je vais faire option. Je vais aller dans paramètres et je vais changer mon mode de visée qu'il faudra être en libre. Faut que je sois en libre, je fais rond et je reviens dans GTA Online. Donc vous mettez apparition au bunker. Comme ça, quand vous aurez fini le glitch, vous changez de session et vous apparaîtrez au bunker et vous recommencez. Donc vous remplissez vos garages de RH8 gratuite. Et vous pourrez dupliquer autant de véhicules que vous voulez. Donc ça prend environ 3 minutes une duplication. C'est au top. Donc là, pour le moment, j'ai un véhicule dans mon camion, d'accord? Mais après, quand vous allez faire la deuxième duplication, il faudra faire la même chose, la même méthode. Vous aurez les Ligui dans votre camion. Donc là, je vais chercher ma RH8. Je vais en profiter pour vider le camion. Donc je la rentrerai une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais la rentrer une fois pour éjecter, j'ai un 4x4 dedans. Et après, je vous fais la manipulation. Donc là, je prends ma RH8, je vais dans le bunker. Voilà, je vais vider mon camion. Donc quand vous ferez le glitch, vous ferez pareil, vous rentrerez la RH8, comme ça vous évacuez la custom. Ensuite vous ressortez. Et là le glitch va commencer. Ok, donc je vais bien me placer sur le rond, que quand je descends, je sois sur le rond. Mais avant de descendre, il va falloir faire ouvrir le pavé tactile, vous savez, le menu sur la gauche. Donc on ouvre le menu, on sortira du véhicule et on atterrira sur le rond. Ensuite, il faudra faire rond triangle. Ça veut dire vous allez rentrer, mais en même temps vous allez rentrer dans la voiture. Et vous verrez la cinématique avant que votre bonhomme il est en train de rentrer dans le véhicule. Et après vous aurez l'écran noir. Donc là, ça voudra dire que vous avez réussi et changez plus ce timing. Voilà, vous faites pareil. Vous voyez, c'est à peu près vers la roue, un peu après la roue. Hop, là je sais que j'ai ouvert mon menu. C'est maintenant. Vous voyez, j'ai fait. Là, j'étais en train de rentrer. Donc ça a marché. Donc j'ai fait rond, j'ai fermé le menu et je suis rentré dans le véhicule en même temps. Ce qui m'a voulu me propulser dans le camion.
Donc là, je vais dans la partie, j'appuie sur PS, ou je vais dans les rejoindre une session d'un ami. Comme mes amis, ils sont en visée assistée, j'aurai un message qu'il me faut. Donc je vais accepter le premier message. Et celui-là, je le refuse. Le message de visée, je le refuse. Donc là, vous voyez, je suis en OTR, je suis invisible. Je serai invisible sur la map. Là, il va falloir que je lance le braquage de Lester. D'accord? Sinon, vous pouvez boire de l'alcool, vous avez plusieurs choix. Mais le mieux, c'est le braquage de Lester. Ok? Et après, j'irai récupérer mon véhicule que je veux dupliquer. Donc, ma voiture custom dans le garage. Les gars, je compte sur vous pour mettre des pouces bleus à gogo, partager. Donc, c'est une vidéo anglaise, c'est pas une exclue, mais vous allez vous faire des millions. Voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu profiter de ce glitch de José, celui-là, vous allez pouvoir en profiter, les gars. Donc, partagez, abonnez-vous, on compte sur vous. Donc, nous, on a fait un crew, c'est ADH. Vous l'aurez dans la description. Rejoignez-nous, les gars. Moi, c'est Fouedi134. Voilà, Fouedi134 sur PS4. Invitez-moi un ami, j'accepte tout le monde. Voilà, plus on sera, mieux ça sera. Voilà. J'essaie de vous rassembler un petit peu, je vous mets dans des discussions. Et vous pourrez faire des braquages. Voilà. Invitez pas mal d'amis, tout ça. Voilà, rassemblez-vous, les gars. Aidez-vous. Voilà, c'est un glitch solo, là. Il faut que vous enrichissez et amusez-vous bien. Donc là, comme je vous dis, je vais lancer le braquage. Je vais atterrir invisible et je vais aller dans mon garage. Donc là, le glitch, il est fait, hein. C'est le plus dur, c'est de se mettre en invisible. Donc une fois que vous aurez bien votre timing avec la voiture, vous allez enchaîner les duplications comme rien. C'est encore un glitch Las Vegas. Alors, faites rond, vous quittez le braquage, hop, vous allez à votre porte et vous descendez dans votre garage où vous avez la duplication. Bon, le top, c'est que vous le mettiez, vous avez fait le braquage de votre duplication, votre custom. Là, j'ai un peu bugué, j'ai cru que c'était un chargement, mais en fait, j'ai pas vu que ça a pas pris en compte la demande d'aller au garage. Donc là, je vais à mon garage, je vais chercher mon Elegy Custom. Donc là, maintenant, je prends la voiture que je veux dupliquer. Je pourrais prendre n'importe laquelle, tant qu'elle rentre dans un garage. En avant, je sors avec le véhicule. Je vais ouvrir mon pavé tactile du véhicule. J'ouvre mon pavé tactile et je vais demander le camion mobile. Ce qui va me téléporter au port, tout en bas de la map. Une fois que je suis au port en bas de la map, je rouvre mon pavé tactile et je redemande encore une fois mon camion. Et cette fois, je vais rentrer ma custom dans le camion. Et ma duplication, elle sera faite. Donc vérifiez quand même pour sauvegarder votre véhicule s'il ne faut pas le sortir du camion. Voilà. Donc le glitch, là, je vous l'ai sorti de suite. Je vais le faire aussi, je vais bien le manipuler, voir. Mais je suis pas trop au courant de ça. Normalement, la duplication, elle est créée. Il n'y a pas de problème. La plaque est changée, tout ça. Vous avez juste à recommander une RH8. Et là, l'échanger avec celle-là, comme j'ai fait au tout début. Vous faites un échange. Et ensuite, vous la ressortez, vous faites le glitch. Les gars, en tout cas, je vous souhaite une bonne duplication. Profitez bien de ce glitch. Merci à tous les abonnés qui suivent, qui participent avec nous. Voilà.
Je vois dans les commentaires, il y a beaucoup d'actifs. Franchement, vous assurez grave. Ça fait trop plaisir. Je vous dis à bientôt, les potos. Ciao, ciao.